Bonjour à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de Dark Souls. Nous étions arrivés à Anor Lando, petite ville sympathique remplie de gros monsieur, très gros et très méchants. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va y retourner calmement. Regardez les gros monsieur méchants, ils sont là-bas, tu vois, ils me regardent. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va continuer là où on était arrivés dans une sorte de grand palais, si vous voulez. Et j'étais tombé dans le vide parce que j'ai fait une roulade qui servait à rien. Du coup, on va y retourner et je vais juste espérer pouvoir récupérer mes âmes avant que celles-ci ne disparaissent pour toujours. Parce que c'est quand même nul en fait de perdre toutes ces âmes comme ça. Trop cool, André qui tourne une vidéo, mais c'est le cas, Astropanda. J'enregistre en même temps et après je balance ça sur Seros VOD, ma chaîne secondaire. Il y a un anneau qui te permet d'améliorer les roulades. Mais c'est un anneau fantastique. Vous entendez bien le son du jeu? Parce que j'avais baissé pour... J'avais baissé hier. Maintenant, faut juste voir si ça marche bien, tu vois, encore. J'aime tellement pas marcher là-dessus, j'ai l'impression que je vais tomber. J'ai pas l'impression que c'est le vrai chemin, tu vois, mais c'est vraiment là qu'on doit aller. Genre, si je rate le saut ici, c'est fait. Ni. Merci, Cbidus77 pour ton Prime, ça fait plaisir. Je pense que tu es mon youtubeur gaming horror préféré. Merci à toi, Loïc, c'est gentil. Il est sorti il y a combien de temps, ce jeu? 2013, Amazing Style. Environ. 2013. Ah, c'est un vieux jeu, ouais. C'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu, mais je le trouve toujours legit en termes de gameplay, etc. J'ai appris à apprécier ce jeu depuis quelques temps là. Et franchement, tu en retires, même s'il est frustrant, tu en retires une satisfaction. C'est assez incroyable. Regardez mes âmes, elles sont là-bas. Oh mon dieu, j'ai perdu toutes mes âmes parce que j'étais trop lent. Oh, je suis choqué. Oh. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, j'ai fait comme eux. Mais putain. Oh bordel, ça fait plaisir. Je tiens à dire quand même que ça fait plaisir. Alors si je saute là-bas pour récupérer le coffre, je vais devoir sauter dans le vide en fait. Je vais juste pouvoir récupérer l'objet, mais ça, je sais pas si c'est worth. Mais comme je suis bloqué ici depuis un petit moment, je préfère aller directement à l'échelle et on ira récupérer ce coffre un autre jour. En espérant qu'il n'y a pas un objet vraiment sympa dedans, tu vois. Je suis Dark Vador. Ouais, je suis Dark Vador maintenant. Tu vas acheter l'emblème, tu vas devoir passer par le bassin de Noirsouche et combattre l'hydre. Là-bas, tu pourras monter une échelle pour accéder à la forêt. Ah, si je veux pas acheter l'emblème, je dois battre un boss. C'est intéressant. C'est très intéressant. Attendez, il y a un accès. Laisse-moi passer. Ah, attends, est-ce que je peux aller jusqu'au sol? Mais non, ça sert à quoi? Ah si, je peux sauter par là peut-être. Ah, c'est beaucoup moins haut peut-être. Peut-être pas en sautant de ce côté-là, c'est beaucoup moins haut, tu vois. Lead, c'est plus un mini-boss. Ouais, mais genre, mini-boss, il est pas très mini en taille, hein. J'ai envie de te dire, moi, quand je l'ai vu, il était un peu gros. On voit bien que c'est un jeu qui date parce que les suicides comme ça, c'est devenu rare. Même dans les nouveaux Demon's Souls, parce que, tu sais, dans le nouveau Demon's Souls, justement, il y a des situations où on peut faire exactement la même chose avec les revenants. Salut Seb, j'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur le live, c'est la matinale de l'après-midi. On est en train de continuer Dark Souls. Là, on était arrêté la dernière fois. On est en train de découvrir... Je vais me faire attaquer par un truc gigantesque, hein. Ah, c'est quoi ça? Mécanisme bouge pas. Du coup, on va aller là-bas. Je suis magnifique comme ça avec cette robe.
N'empêche. Si tu veux mourir, écoute les abonnés. Oui, Daniel, exactement. La dernière fois, c'est ce qui t'est arrivé. J'ai écouté les abonnés. J'aurais pas dû. Alors, je peux tourner ça, apparemment. Et ça tourne. Ah, ça descend en tournant. Oh, ça rejoint, du coup. Ok. Il y a un truc qui arrive en volant. Oh, gargouille. 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 I don't like you, gargouille. Je vais te couper ta queue, toi. Non, mais oh. Ok. Ok, il va me tuer comme ça là. En spammant les attaques. Crash du feu. Ah non, d'électricité lui. Alors c'est une gargouille New Age, hein. Très bien. Tout va bien. Wouah, j'ai tout eu. Bouclier de la gargouille, le casque de la gargouille. Est-ce que c'est bien? L'arme droit devant. Un truc triste. Feu, préparez-vous. Oh. Feu. Attention, résignation droit devant. Feu ou résignation? Je sais pas trop ce qu'ils veulent me dire en fait, hein. C'est un peu... Tu seras plus que fier de toi. Oui, bah je suis déjà un petit peu juste pour avoir tué la femme araignée et je suis déjà content, tu vois. J'ai un pote, comment il m'a résumé le jeu, c'est vulgaire, mais c'est tellement ça. Alors, tu peux dire c'est quoi le résumé du coup? Eh les gars, pas les deux en même temps! Pas les deux en même temps! Eh non, chacun son tour, hein. Ok, dans le bouclier, là. Est-ce qu'on peut avoir à chacun son tour, s'il vous plaît? Allez, attaque-moi, toi. Oh, ça fait mal. Ça pique. Ok. Attendez. Reculez, ouais, reculez, vous avez raison. Ouais, vas-y. Mais... Oh, dans ton bouclier. Hop. Ah, j'ai roulé dans le mauvais côté. J'ai roulé du mauvais côté, je vais redescendre les escaliers, je me sens pas très bien là. On va boire un petit coup, et on y retourne. Allez, toi t'es mort. Toi t'es mort, on n'en parle plus. Et lui est retourné à son poste de garde, c'est mignon. Et t'es mort. Ouf. Non, j'ai dit que t'étais mort. S'il te plaît. Merci. Non, mais parce qu'il faut falloir montrer un petit peu de quel bon on se chauffe de notre côté. Et attends, le Uber démon, il va me tuer maintenant? Uber démon, ils sont devenus méchants? Mais ils étaient mes potes? Mais ils étaient devenus mes potes? Oh. Bon, voilà. Ça fait un bruit de monstre pas loin. Donc fais gaffe, il y a des âmes un petit peu partout à récupérer. Tico, comment il est? Il est trop tôt pour travailler à Dark Souls. Bah, il est 13h, hein, 34, hein, ça va. Tu te rappelles ton pote Cerocé dans Little Nightmares? Non, je me rappelle plus de lui. Tu souffres, mais tu vas aimer ça. C'est un peu... Comment on appelle ça? C'est du masochisme, c'est ça? Tu te fais péter le cul et tu en redemandes. Oh non. T'es petit face à eux. Ben ouais, ils sont un peu grands. Cette porte ne sert à rien. Alors, le truc marrant, c'est que... Si on regarde bien, tout le monde disait feu avec un point d'interrogation. Mais je vois pas trop de feu là. Je peux ouvrir ces portes, vous pensez? Non, je peux pas. Je ne peux pas. Personne sont tes potes dans ce jeu. Oui, mais ils étaient quand même un peu mes potes, tu vois. Ils vont me tuer, vous pensez? Ils ont l'air méchants, hein. Ah, ils ont l'air très méchants. J'aime pas trop beaucoup comment ils me regardent. Alors, on va voir le premier là. Lui, il vient sur moi là. Lui, il a attiré. On va voir ses attaques un peu. Hop, et une attaque. Ok, moi aussi. Oh, oh, une attaque électrique, hein. Wow. Ok, attaque électrique, hein. Rien que ça. Alors, du coup, si j'attaque avant, on n'en parle plus. Voilà, bye. C'est mon troisième perso, passage, Tico. En fait, il faut savoir que l'arme que j'ai dans mes mains, j'ai réussi à la drop en tuant un ennemi très redoutable lorsqu'il était level 1.
que tu dois même pas le tuer en fait au début du jeu. Et moi en fait quand j'ai recommencé le jeu, j'étais en mode je dois m'entraîner pour mon perso secondaire, tu vois. Et du coup j'ai recommencé le jeu, j'ai commencé à jouer, je suis allé dans le jardin alors que j'ai rien à foutre là-bas, j'ai vu le soldat, je l'ai tué et j'ai drop l'arme. Et apparemment cette arme, quand tu l'as, dès le début, elle est un peu abusée parce que, en gros elle one-shot tout. Parce que c'est une arme de fin de jeu en fait. Ou une connerie du genre, c'est genre une arme ultra OP. Alors que je suis en mode easy, là littéralement avec ça dans les mains, je suis en mode easy. Et vu comment ce jeu m'a fait souffrir, eh bien ça fait du bien de lui faire de le faire souffrir lui aussi, tu vois. Là ça fait là c'est un plaisir. Une séance d'acupuncture, rien de méchant, tu crois ça toi? Souviens-moi, je me souviens pas de tout le monde, Coco, je suis désolé. Tu en as de la chance de l'avoir loot. Oui, apparemment c'est un drop très rare. Genre on peut le drop en... C'est un 0,5% ou une connerie du genre, tu vois. Par contre, j'ai pas trouvé de feu, hein. Parce que les gens, ils parlaient de feu, mais j'ai pas vu. Fais souffrir le jeu, exactement. C'est Ross le dieu avec son arme. Bah c'est ça, je fais souffrir, je vais faire saigner le jeu. Il y a des gens, en fait, j'ai vu sur internet qui disaient que c'était une arme de noob. Et moi, j'ai envie de te dire, c'est toi le noob. Parce que t'as pas réussi à la drop, voilà. Et c'est pour ça que tu rages. Mais j'ai pas farmé cette arme, hein. Je l'ai eu, j'ai vraiment eu hasard. Oh, je vais mourir. Retraite stratégique. En fait, le problème, ça aurait été de tourner le dos à un ennemi qui peut lancer des trucs à distance. Je suis en train de faire boloss. J'ai cassé quelque chose. Attends. J'entends un grésillement. C'est bon, y'a plus de grésillement? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai tapé dessus. Je suis tellement énervé que j'ai même pas réussi à montrer que j'étais content. Oh ! Alléluia ! Ah ! Oh mon dieu, Press the Sun ! Press the Sun! Mais totalement, les gars, totalement. Attendez, par contre, s'il y a un boss par là... Je sais qu'il faut pas le faire, les gens, ils aiment pas quand je fais ça, mais... Et vous savez quoi? C'est ma partie, je fais ce que je veux. Bonjour, Apocalypse! Maintenant, il reste le plus dur. T'inquiète. C'est bon. Vous savez que là, c'est le moment où tu te sens un peu plus rassuré. Eh ben c'est pas le cas, ok? Voilà, je suis humain. Je suis humain. On m'envoie un message sur Discord. Au moins, de cette partie, on peut dire que j'ai galéré, mais au moins j'ai avancé quand même. Parce que, des fois, en fait, tu peux live pendant... Combien de temps ça fait là? Là, ça fait 1h39. Tu peux live pendant un moment sans jamais avancer, c'est plutôt embêtant. Pourquoi il s'est levé?
Wait. Oh, voilà. You've been quiet these days. Oh! Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining. Oh! Do not hesitate to call upon me. Oh! You've left me with quite an impression. Oh! Bro! Putain de fuck de putain de espèce d'enfoiré! J'ai retapé sur le truc, j'ai failli casser mon non compresseur encore là. Mais je peux pas jouer hors ligne dans ce jeu, purée de pommes de terre. Non. C'est un intrus dans ta partie, mais ouais. Mais j'étais pas humain en plus là, j'étais pas un humain là, je comprends pas. J'avais perdu mon humanité, non? Ou j'étais toujours humain? Ah non, je venais de devenir humain, putain, non, 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 j'étais humain justement. Le feu en... Ah purée... Ne deviens jamais humain à Norlondo sans être préparé. Ouais, mais c'était pour avoir le... Alors... Je sais que c'est un peu embêtant comme situation, mais dis-toi que j'ai tué tes frères pour avoir la même arme que toi. Ouf, il fait mal lui. Il fait très mal. Ouh, t'es mort. Pas de loot? J'ai pas eu de loot. Ils adorent les noobs ici. Ah oui, parce qu'en plus, c'est un endroit où ils viennent tuer les noobs, c'est ça? Les noobs, ils sont super contents. Et les noobs, ils sont super contents. Ils arrivent ici, ils sont contents et tout. Et ils se font défoncer par le premier random venu, quoi. Je suis arrivé à Norlondo, je suis trop content. Ah, mais c'est les mobs de l'endroit? C'est pour ça qu'il n'y a pas de loot. Je comprends pourquoi il n'y a pas de loot en fait. C'est pas un chevalier noir ça, c'est un chevalier normal. J'entends le bruit, il y a encore un dragon quoi. J'entends un bruit. Est-ce que je peux voir par leur fenêtre? Il y a quelqu'un qui est méchant là-bas? Ça fait un bruit très méchant en fait. Chevalier d'argent, merci Osiris. Alors, ce qu'il dit, être humain, active le PVP. Oh là là. Je crois qu'il y a un passage d'acheminé, c'est ça? Yeah! Hey, t'as vu comment je suis BG? T'as vu comment je suis BG, là? Est-ce que c'est le moment où je meurs? Parce que c'est un endroit très sombre. Il y a beaucoup de coffres. Essayez ennemi. Attends, il y en a combien? Ok. Vous savez mon plus grand cauchemar maintenant, quand j'ai découvert ça? C'est les nouveaux coffres dégueulasses. Oui, parce que ça suffisait pas d'avoir des ennemis dégueulasses dans le jeu. Il a fallu en faire des coffres aussi. Oh! Le gourdin occulte. Non, mais il a fallu avoir, on va dire, un dent de dragon. Ok. Grand bouclier de Havel. Ok. Ça a l'air d'être un endroit avec du bon loot. Casque de Havel. Armure de Havel. Jambière, gants. Oh là là, j'ai le kit complet, là. Le bouclier de Havel, ça donne quoi?
84, c'est le meilleur bouclier. Bouclier en fer noir. Ok, d'accord. Modifier affichage. Je peux pas le porter parce que j'ai besoin de 34 de force. Génial. 50 de force. Waouh. 50 de force. Ah ouais. Ça a l'air génial. 500 d'usure. Purée, bon. Si je trouve un moyen de vendre tout ça, je vais tout vendre, les gens. Je m'en bats les couilles. Tu vas courir très lentement. Ah bah oui. C'est Chest Head. Chest Head, tu appelles? Le perso en mousse de Seros peut rien porter. Mon perso, il est pas en mousse, ok? C'est toi qui es en mousse. Du coup, j'ai la dent de... je sais pas quoi, là. Est-ce que je peux la porter, la dent? Dent de dragon. 40, je peux pas la porter non plus. Grand marteau. Est-ce que je peux quand même l'équiper en vrai? Je veux juste voir quoi elle ressemble. Purée, j'ai eu peur. Vous avez pas assez de force pour porter cette arme. Ouf! Hey, Monster Hunter! Une dent de dragon en même temps, putain, c'est normal. Yay! Nice. Bon, je peux pas jouer avec. Mais c'est rigolo. Je trouve ça très rigolo. Bon, on va aller voir là-haut. Il y a un bruit d'un monstre qui s'envole apparemment. Je pense que ça va être le boss, je suppose. Saut droit devant. Ok. Enfin, droit devant... Putain, mais y a que ça. Hein. Ouf! Putain, en plus, ils font mal. Les coffres, ils font très mal, les gars, par contre. Hein. Je veux pas dire, mais... Quelqu'un est mort, là. Ah, ok, d'accord. Y'a qu'un seul gars? Allez, viens. Viens pas? On n'en parle plus, c'est parti, c'est pas... C'est pour les speedruns, le saut droit devant. Ah, d'accord, merci Hans. Merci, parce que j'allais sauter, moi. C'est un lézard de titane qui respire fort. Ok, d'accord. Tu imagines contre les démons? Y'a des démons dans le jeu? Putain, y'a un coffre avec du sang devant. Oh! Ok, d'accord. La personne qui habite ici a tué beaucoup de dragons, apparemment, dans sa vie. Ok, d'accord. C'est une personne à qui on peut pas plaisanter ici. Hein. C'est une solde de trophées. Les Uber que j'appelle les démons. Bah, les Uber, en fait, ils sont... pas très sympathiques, hein. Si je l'enchaîne, c'est bon, en vrai. Si j'empêche d'attaquer... Pièce d'or. J'ai une pièce d'argent, j'ai une pièce d'or, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de tout ça, mais... Why not, hein. Donc j'ai un chevalier blanc là-bas. J'ai une véritable chance. Ça fait trop bizarre en fait, parce que depuis le temps que je joue à Dark Souls, on n'a pas eu un environnement qui semblait habité par des gens, tu vois. Confort. Je peux dormir dessus. Coffre incroyable droit devant. Droit devant là. Bonjour monsieur le soldat, vous voulez me taper? Non? Venez, je suis là. Il parle du tableau. Ah, il parle du tableau? Ok. Bon. Ouf. Mmh.
Ouais. Ah, coffre en anglais veut dire chest. Veut dire. Ok, oui, boobs veut dire boob. Chest veut dire boobs, effectivement. D'accord, je comprends mieux. Il vient, tu penses? Tu penses que j'ai aggro tout le monde? Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, au moins un. Ils sont durs à tuer, hein. Enfin, ils sont pas durs à tuer. Ils sont faciles à tuer, mais ils font très mal, en fait, ce que je veux dire. Ils font super mal, hein. Mais ils font autant... En fait, ils font aussi mal que moi, là. J'entends un autre qui court, là. J'en ai aggro un autre, mais je sais pas où il est. Ok, mon âme est juste devant. Il y a quelque chose à cette porte, en fait? Parce que là, mon... Ah, il y a un escalier, d'accord. Pas mal, en fait. Pas mal de venir ici, en vrai. Bah, écoute, je vais... Franchement, je sais pas où je vais, donc du coup, je visite, hein. On verra bien, à un moment donné, il y a sûrement un... J'ai entendu un piège, comme si quelqu'un avait déclenché un piège. Ça ressemble à un endroit où je peux me faire attaquer facilement par... par des mecs, tu vois. Loué soit le soleil. Praise the sun! Il a l'air dur, lui, hein. Oh non! 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 Oh! Oh, ben là, mec! Ça, c'est beau, là. Ça, c'est beau, là. Ça, c'est beau. C'est un peu labyrinthique. Un labyrinthe. Ah oui, totalement. Il y a énormément d'endroits où aller et apparemment, il y a aussi énormément de... Oh! Salut! Mais il est endoré maintenant? Que faire? Dis-moi tout. Il fait son aventure en même temps que moi, lui. Ah, encore vous? Laissez-moi deviner, les chevaliers d'argent vous ont botté le train? Il n'y a pas de quoi rougir, c'est le destin des héros de notre genre. Je vais y réfléchir. Ensemble, nous trouvons un moyen de surmonter cette épreuve. Ouais, mais t'essaies de m'attaquer plus tard, en fait. Du coup, je sais pas trop. C'est un vrai problème. Nous allons encore devoir besoin de 3... Non, 5 corps. Pas évident. Il me donne des astuces à chaque fois, lui. Ouh! Ouh! J'aimerais tellement que ça fasse comme dans Nier, quand tu fais une esquive, ça annule l'animation d'attaque pour faire l'esquive, tu vois, ça le fait pas ici dans ce jeu. Goddammit. Il a eu 100 headshots, il a débloqué le skin. Ah, ça marche comme ça. Bon, du coup, lui, je vais pas le laisser monter. On s'en débarrasse vite fait, dès qu'on peut, parce qu'ils sont durs. C'est le chevalier oignon. Ouais, mais il essaie de m'attaquer avec... Il a une énorme arme en plus. Plus tard, il essaie de m'attaquer. C'est n'importe quoi. Du coup, je sais pas pourquoi je vais là-haut, hein, parce que j'ai d'autres endroits où je suis pas allé du tout. Impossible d'ouvrir cette porte. Alors, je vais aller en face déjà, je suis pas allé. Non. Non! Loué seul soleil. Loué seul soleil, ok, d'accord. Vachement important. Ok, c'était juste... Oh! Ah!
Ok, d'accord, ça me permet d'a... Ben, regardez, mon âme est là. Non, je veux passer par cette fenêtre. Non. D'accord, je suis obligé de monter pour aller de l'autre côté. D'accord, très bien, je comprends mieux. Avec la dent de dragon, tu cours, tu frappes et le chevalier s'écrase par terre, c'est très drôle. Tu as le temps de voir se relever, tu peux préparer ton attaque. Ouais, mais ça marche pas. Hey, salut Nico! Ça marche pas avec moi, puisque du coup, je peux pas la porter. J'ai pas 50 en force. J'ai que 34. 32, même. Du coup, je dois remonter? Je sais même plus où je dois passer. Ah non, c'est par là, non? Wait. Non. Wait, elle est où au passage encore? Il est à gauche. Là-dedans. Ah, le lit, ouais, c'est là. Ah, faut que je me retape le mec à la porte, purée. Salut, Miss Bloodin! J'ai des sueurs froides avec ce jeu, je vous jure. Bonne soirée, bonne soirée, bon, merci Osiris d'être passé, à bientôt. Merci pour le courage, à plus. T'as passé des dimanches sous le signe de la torture, à ce que je vois. Ouais, je sais pas pourquoi. I don't know pourquoi j'ai fait ça. I don't know pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est une sorte de relation vraiment... vraiment pourri en fait, entre ouais je dois finir ce jeu et oh ce jeu est plutôt pas mal mais en même temps oh putain il est chiant, t'as jamais fait de Souls, j'ai fait Demon's Souls un petit peu, je suis arrivé contre l'araignée, j'ai battu l'araignée de feu et j'ai arrêté là et du coup là j'ai fait du Dark Souls et je suis le plus loin que je suis arrivé sur Dark Souls, j'ai jamais fait 2, 3, j'ai joué un petit peu à Sekiro si tu veux, mais voilà. Oh il m'a fait mal. Allez, monte. J'aime pas les combats en lieu rapproché comme ça. Ouais. Mais putain! Le coup de pied! Mais on s'en fout du coup de pied! Est-ce que les développeurs de Dark Souls pourraient enlever cette combinaison de touches qui ne sert à rien? Le coup de pied, je peux le mettre sur un stick. On met stick. Il sert à rien le stick gauche. Putain, je fais stick gauche, pouf, ça fait coup de pied, tu vois. Pas sur une combinaison avancée-attaquée. Parce que je vais forcément avancer et attaquer. Je vous jure. Le sel monte, il n'y a pas de sel. Ici, c'est un live sans sel. Ok, bienvenue à tous sur le live sans sel. Ils sont combien? Je sais même pas pourquoi je vais dans cette salle, les gars. Genre, je sais même pas pourquoi je vais dans cette salle. 3v1, c'est ça. Oignon veut pas dire filer un coup de main. Ouais, bah oui, j'aimerais bien, en fait, qu'il me file un coup de main, lui. Oh, Akara, merci pour ton Prime. 5e mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Tu fais plaisir. Je te jure. Alors, tu veux faire les Dark Souls dans l'ordre? Oui, c'est le... Ouais, je pense que c'est... Bon, je vais suivre 1, 2, 3, quoi. Il y a beaucoup de monde qui me disent de faire le 3 direct. Mais je suis en mode, ben non, ben je sais pas, moi je commence par le 1, je découvre le 1 déjà.
Et après, j'irai sur les autres. Non? Enfin, je sais pas. Hein. C'est quoi ce reach, hein? Je te jure. Le 2, c'est une bonne expérience à faire. Apparemment, il est très dur, le 2, de ce que j'ai compris. Me dis pas que mes âmes sont à l'intérieur. Oh, je me suis pris quand même. Mes âmes sont à l'intérieur. Lui, tant qu'il... je l'aggro pas, ça va. Je vais la jouer à Capon, les gars. Méthode Capon. Hein. La méthode Capon, pour ceux qui savent pas, ça veut dire la méthode Trouillard. C'est-à-dire que je vais les attirer un par un. Jusqu'à ce que j'arrive à tous les tuer. Bonjour. Oui. Ah. Caché derrière la porte. Alors, toi, toi... Non, toi en premier. Viens ici! Allez, viens! Fuck! 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 Ouf! Ok! Ok! Je vais pas... Non, je vais me soigner! Non! 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 Je suis dans la merde. Ça a pas roulé! J'ai appuyé sur B, ça a pas roulé! C'est bon, c'est bon, c'est... Hey. C'est bon, c'est bon. C'est cassé, mais... Hey. C'est aimanté, c'est une élite, hein. C'est une élite. C'est une élite. Tout va bien. Tout va bien, les boutons s'enlèvent. Les boutons s'enlèvent. Je joue pas qu'elle avait joué à la manette. Je suis pas un fou, moi. Je joue au clavier Dark Souls. Je vais pas perdre mon clavier, moi. Clavier, il coûte cher, hein. Fais chier, sérieux.
fais chier, sérieux. Allez, viens, 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 viens. Oh non, non, viens pas. Putain, mais purée, mais pourquoi j'ai voulu Paris? Pourquoi j'ai voulu? Je réussis une fois sur deux. Je vais devenir Super Saiyan. Pardon, excusez-moi, excusez-moi, j'ai été un peu silencieux, mais si je voulais pas sortir des insultes à tout bout de champ, il fallait que je ferme ma gueule, littéralement. Mais tout va bien, hein. Vous savez, ça aurait pu être pire, hein, de toute façon. Combien de fois t'es mort? Aucune idée, c'est pas écrit dans le jeu. Hein. Ils le disent pas. Ils te disent pas. Imagine, en fait, il y avait un compteur de mort intégré dans le jeu. Là, par contre, ce serait insane. Tu verrais le petit compteur monter, là, tu serais en mode... Non. Il est quelle heure chez moi? Il est 15h23 chez moi, là, actuellement. Ça va, il est tôt, il est tôt. J'ai pas fait de compteur de mort. Non, ça sert à rien. On va pas s'infliger ce genre de... Mais genre... On va pas s'infliger ce genre de bêtises, on va dire. Merde, ça a tiré les deux. Fuck. Ok, j'en ai un. Non, arrête de faire le coup de pied, toi. Arrête de faire le coup de pied. Voilà. Non mais sérieux. Le coup de pied. Tout ça pour quoi? Tout ça pour un vrai coffre. C'est la nuit des démons, ça va. Je suis mort, j'ai perdu 30 000 âmes pour ça. J'ai perdu 30 000 âmes pour ça. Ok. Ok. Why not? 30 000 âmes. Le coup de pied circulaire. C'est un raccourci? Ah! Ah, qui me permet de monter directement au toit. Ok, d'accord. Ok, ok. Si c'est un raccourci, ça va. Non, parce que, en fait, du coup, je savais pas pourquoi j'ai fait tout ça, mais... Oula.
J'ai réussi. J'ai réussi. Ok, mais moi aussi j'ai réussi du coup. Mais je sais pas pourquoi tout le monde dit qu'on a réussi du coup. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui arrive derrière moi, tu sais, genre en mode très méchant. Mais non, mais c'était sûr en fait. Mais c'était sûr en fait, hein. 7000 euros. 7000 euros, moi je veux juste jouer moi. J'ai eu peur moi aussi, purée, vous êtes sérieux? Oh, raccourci, raccourci, mais ça me ramène dans la salle avec les gars. Putain, mais c'est... Ouais, le coup de pied de merde. Hein. Regarde, en plus que j'arrive même pas à faire... À faire tout le temps, tu vois, en plus, hein. Ouais, ah, parce que si en plus il était régulier, le coup de pied serait génial. Mais il ne l'est pas. Il est même pas constant, tu vois, comme attaque. Ils me font mal de ouf, hein. Je perds toute ma vie à chaque fois. C'est un raccourci pour aller au chevalier oignon. Ouais... Ça ouvre quand même une porte vers trois chevaliers, quoi. Je veux dire, en soi, ils sont pas morts, définitivement. Pas sûr d'aimer ça. Ah, cool, mes âmes sont là, purée. Même pas. Si? Non? Oh non, j'ai perdu mes âmes. Sérieux? Mais sérieusement? Les attaques sont lentes et tout, j'arrive quand même à les prendre, c'est abusé! Des fois, en fait, c'est lié aussi à la fatigue, tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis en train de jouer au jeu et que je suis en train de me faire défoncer en boucle que ça aide pas forcément, quoi. Heureusement qu'ils sont staggered quand tu les touches. C'est une bonne chose. C'est-à-dire, quand tu les touches, ils ont un petit côté en mode « Oh non, je suis touché, du coup je recule !» Parce que si c'était pas le cas, là, s'ils continuent d'avancer, c'était horrible. Moi, si je fais pas le petit coup de pied, ça va. Hein. Tout va bien, on peut rester à la porte comme ça, hein, toute la journée. Je peux rester toute la journée ici. Dis-moi tout, camarade. Vous avez vaincu ces monstres? Je suis sauvé. En tant que chevalier de Katarina, je salue votre courage. Veuillez accepter ce témoignage de ma gratitude. Anneau de petit être. J'ai déjà cet anneau. C'est mon deuxième? Ouais, ils m'ont donné... Tout ça pour avoir deux fois le même anneau. Je vous jure. Bon, allez. On va aller... On va aller de l'autre côté, là. Zigzag! Ouais! Ouais! Ok. Ok.
C'est grave ça, généralement quand je bloquais sur un boss sur Sekiro pour plusieurs heures de drive, il fallait que j'arrête, et le lendemain, étonnamment, il devenait facile. C'est parce qu'on n'a pas assez de recul sur la situation, et on est en mode... Voilà, c'est ça le problème. Mais sinon après, ça va. Comme tu augmentes deux fois tes PV, de pas grand chose. Hein? C'est raccourci pour aller au Chevalier Oignon. Comme ça, tu augmentes deux fois tes PV de pas grand chose. Je comprends pas. Je reviens sur mes paroles d'hier, pour faire un coup de pied, il faut pousser le joystick et appuyer sur le bouton attaquer. Ok. Ah, je suis dans la pièce avec les têtes de dragon. Du coup, il faut que je le tue, lui, ou ça se passe comment, là? Parce que j'ai été surpris la première fois, mais sinon, normalement... Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose ailleurs avant. Et après... Parce que lui, je peux le tuer facilement, mais j'ai aucun endroit pour me cacher ou reculer, quoi. Genre, il est littéralement... Oh, mon Dieu! Essayez d'appâter la cible. Ok, il y a des gros là, il y a un gros là, il y a un petit là, il y a des soldats partout, hein, on n'aime pas ça, nous, hein. Il y a des soldats partout, les gens. Il y a des soldats partout. Oh. J'ai l'impression que plus j'avance dans le jeu, plus il y a des ennemis. C'est le principe d'un... Oh, il y a un brouillard là-bas. D'accord, je dois aller là-bas, sûrement pour le boss, parce que vu comment c'est grand, c'est sûrement un endroit de boss, tu vois. Alors aussi, j'ai un soldat, il a double arme apparemment. De ce que je vois, il a une espèce de... Ouais, il a deux armes. J'ai une fenêtre cassée. Ils me disent quoi? Trésor droit devant. Grand arc tueur de dragons. Ok. ...90 de dégâts. Putain, il est vachement plus puissant. Comment? Du coup, je... Heureusement qu'on a des objets, mais c'est chiant en vrai. Perte d'humanité quand même, hein. Et mon os de retour, il est où? J'en ai encore plein normalement. Os de retour. Utilise. Ah. J'ai fini par me lancer une partie de Dragon Age. Dragon Age? Rien à voir, mais bon, ouais, ok, d'accord. L'arc pour tirer des parasols. Ça tire des parasols aussi? Il y avait un passage dans la grille. Bon, j'ai pas vu. C'est pas grave, de toute façon, ça me remet exactement ici, donc du coup, ça va. Hein. Je suis pas ultra loin, quoi. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sauter un petit peu plus loin pour pouvoir aller du côté où il y a les gargouilles mauves, roses. Pardon, excusez-moi. Bonjour. La 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 la. Du coup, je retourne exactement au même endroit pour pouvoir sauter plus loin, pour voir si je peux. Au début de la relation, c'était les... Wait, what? Il y avait un raccourci à droite? Non, mais j'ai pas vu. Mais je verrai, de toute façon, si je trouve ou pas. T'inquiète. Ah. Non! Bonjour! Non, je suis pas là. Mur invisible.
putain. Et il y a... Genre, je me fais avoir à chaque fois, hein. Je pense que je peux y aller, mais bon, pas vraiment. Coucou bébé, je t'aime, je ne vais jamais te quitter. What? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Xbox Series X. Ouh, je n'ai pas eu, moi. J'ai pas eu, moi. Moi, j'ai la PS5. Mais j'aurais bien aimé avoir aussi la Xbox Series X, juste pour tester, tu vois. Xbox a dit que, ouais, je vais t'envoyer une quand il y en a des dispo. Bah, ça fait un an, hein. Je pense que c'est fini, hein, il veut pas m'en donner. Ah, mais attendez, l'escalier, il est double colimaçon, en fait. Oh boy. Excusez-moi, monsieur, j'avais oublié que vous étiez là. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Ouf. Ils sont très nombreux dans mon dos, dis donc. La 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 na 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 na. La série que je la cherche, pas trop envie de jouer dessus. Non, j'ai trop envie de jouer dessus. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je cherche pas la série X, mais je cherche aucune Xbox, hein. J'aurais bien aimé en avoir une, mais je cherche pas. Par contre, la Xbox série S, je la vois partout. Genre, celle-là, y a pas de souci pour l'avoir, hein. J'aimerais une PS5, mais plus de stock, alors je patiente. Ouais. C'est triste, hein. C'est triste, hein. On aurait tellement aimé avoir... Franchement, il y a tellement de bons jeux, en plus. C'est un bruit de forgeron. Il est gentil. Apparemment. Qui êtes-vous? Forgez vos armes. Je veux bien, mais j'ai pas d'âme. Ok. À bientôt. À bientôt, monsieur le forgeron, trop gentil. Ouf. Monsieur le forgeron, les voisins sont pas très sympas. Genre, jure. J'aurais continué. Au lieu d'essayer de faire mon saut à la con là, j'aurais dû faire ça directement. Voilà. Ça c'est raccourci, c'est ça? C'est le raccourci, les gars. C'est raccourci à la zone principale. Parfait, ça. Parfait. Mais ça veut dire que mes âmes sont là? Je suis mort ici, moi, non? Oh non, c'est en haut. Vas-y, viens. Je vais venir chez toi à minuit, tu me verras dans ton salon, sur ton canapé, en train de jouer à la PS5. C'est con parce que la PS5 est dans mon bureau et pas dans mon salon. Vas-y, calme-toi. Calme-toi. Dans le salon, tu auras la PS4. Allez, celui-là aussi. Éclat titanique, c'est bon. En fait, en vrai, là, je suis plutôt pas mal. En vrai, si je veux améliorer mon personnage, je devrais tout simplement aller tuer les deux gros, en croisant les doigts, ou aller monter, récupérer... Regarde mes âmes où elles sont. Regarde, elles sont mes âmes. Regarde ça, les âmes, elles sont juste là. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Genre, là. Vous voyez le truc vert, là? C'est mes âmes, ça. Ça, c'est mes âmes. Ok, il m'a mis d'accord, là. Je peux traverser ça, lui? Mmh. Oh là là. J'y reviens en fait, parce qu'il a 1500 âmes sur lui. C'est de l'argent de poche pour moi, là. Ah, touché.
féroce. Il est à travers un mur, t'arrives encore à te faire défoncer par lui. J'ai gagné combien quand je vais quand même me faire tuer par lui, quoi. Hey Cindy, merci pour les 100... Ouh. Merci à toi pour les 100 bits. C'est de la triche de le tuer comme ça. Non. Alors là, je suis désolé. Il n'y a pas de triche, en fait, de tuer un ennemi comme ça, franchement. Pas du tout. Le coup de pied pour dégager son endurance. Alors, 5000, je vais monter. J'arrive tout de suite, monsieur le forgeron. Je suis à côté. Je suis à côté, vous inquiétez pas. Alors, je suis descendu par où? Ah, je vais juste continuer de monter. Et après, il faut continuer par la fenêtre. Ah, en fait, je suis descendu de côté, en fait. D'accord, oui, je vois comment j'ai fait, ok. D'accord, d'accord. Je récupère mon... Ouf! Imagine, je meurs. Et là, maintenant... je fais ça. C'est plus... C'est moins haut. Attends, si j'enlève mon équipement... Techniquement, là, je peux... sauter, faire moins de dégâts si je tombe seul. Ouf! Ça pique, mais ça va, je suis vivant! Salut Seros, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien, Harley, j'espère que toi tu vas bien. J'ai loupé 2 lives, ton perso est devenu fort. Ouais, t'as raté juste le live d'hier en fait. Juste le live d'hier, parce que j'ai recommencé un nouveau perso encore. Renforcer arme. Alors, on va voir si je peux renforcer mon. Mon hallebarde. Je ne peux pas parce que il me faut. Il me faut... Bah pourquoi je peux pas? Ils me disent... Il me manque... Ah j'en ai qu'une seule! À droite, c'est ce que j'ai, en fait, c'est ça? Putain, d'accord, c'est à l'envers. Ok, d'accord, c'est à l'envers, ok. Non, mais j'étais là en mode, mais je comprends rien. En termes de bouclier, je vais voir si je peux pas améliorer mon bouclier. Mon bouclier végétal, là. Fait 65. Équilibre, 95. Bouclier de fer noir. Forcément, les grands boucliers, ils protègent mieux. Mais le bouclier végétal que j'ai, et il me redonne de l'endurance en fait, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est pour ça que je l'aime bien. Le bouclier araignée est bien aussi parce qu'il protège du poison, il me semble. Mais ouais, je vais... probablement l'améliorer lui. Hein. Ok, j'ai plus 3 millions de titanite. Très bien, j'ai 12 000, donc du coup je peux quand même réparer tout mon équipement. Je vais réparer la hallebarde, l'épée draconique. Mon écusson n'est pas abîmé apparemment, donc c'est très bien. Ensuite, je vais voir si je peux renforcer l'armure, parce que j'utilise actuellement l'armure de... Ah, je peux pas. On peut pas la renforcer apparemment. Elle ne fait pas partie de la sélection. Je peux acheter des objets. Grand fragment de titanique, le titanique vert, titanique scintillante. Bah, je peux en acheter, 8000. Ouais, ben voilà. Renforcer arme. Mon hallebarde. Et c'est parti. Boum. Bon, bah non, elle est encore plus puissante qu'auparavant. Donc, là, je suis plutôt content. J'ai une meilleure arme encore. Hop, on va la remettre. La hallebarde. Mon bouclier végétal. Plus 2. Et mon équipement de la grande faucheuse que j'ai récupéré avec le déchet, là. Qui me protège, en fait, bah, plutôt pas mal. Bon,
Ça, c'est fait. Il reste plus qu'à aller là-bas et aller taper un peu des gros mobs. Let's go. On va avoir plus d'âme encore. T'as battu les gargouilles? Oh bah putain, Mathis, ouais, t'as raté beaucoup d'épisodes. Je regarde surtout les vidéos YouTube. Ah bah oui, j'imagine. Donc bienvenue à toi en live, si c'est la première fois que tu arrives. Elle fait combien de dégâts, la hallebarde? Alors, petit gars, la hallebarde fait actuellement... Fudge. 318. Merde. Attends. Hop. C'est ça. Actuellement, elle fait 318 de dégâts. 95 tranchants. Dégâts physiques 40. Magique 10. 40%, excuse-moi. Réduction de dégâts. Ah, ça n'a rien à voir, en fait. C'est des réductions de dégâts. Plutôt pas mal, je trouve. Ah, attendez. J'ai loupé beaucoup de live à cause de One Piece, je suis accro. Ah bah ça, je veux bien croire. Hein. Donc du coup, voilà, je suis plutôt pas mal, là. J'ai mon setup. Je réponds au message en même temps. À quand Alien Isolation 2? Bah, c'est pas moi qui fais les jeux, hein. Même si j'aimerais bien. Délivrer, 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 toi-même, tu sais. Alors, je crois qu'il m'a vu. Ce que je peux faire, en fait, lui, c'est de l'attirer, là. Ah, il vient, ouais. Ah, il vient. Ok, je suis mort. Merde. Non, j'ai pas regardé le film, ça. Samsung ou Apple? Bah, j'ai les deux. J'ai les deux. Pas de jaloux. Et je vous avouerai que j'ai acheté un Samsung uniquement pour jouer à Granny, hein. Attention. Voilà, attendez. Non mais oh. Bref, il me reste environ 35-40 minutes de live. Après, je vais devoir sortir, mais je recommencerai peut-être ce soir un petit peu, encore un petit live nocturnal, mais peut-être pas sur Dark Souls du coup, je vais essayer de me reposer un peu. Probablement sur, attention, et là ça va choquer plus d'un, probablement sur FF14. Donc, donc du coup ce soir je vais revenir sur du FF, juste pour voir un petit peu ce que ça peut donner. J'ai pas pris un raccourci moi à la base. Nah. J'ai essayé de parier, j'ai pas réussi. Ça, c'est le Samsung, les gars. C'est Samsung qui a 40 000 caméras. Par contre, le truc, il faudrait juste que j'arrive à... Putain, le son est trop fort. Angel, merci pour ton prime. Angelo, merci pour ton prime. Ça fait plaisir. FF, je suis curieuse. Ouais, le jeu, il est bien. Je suis devenu récemment très fan, en fait, du FF14. Je joue avec Tico, Caro, Sora. Enfin, Sora, j'ai pas encore joué avec lui, mais... Voilà, on joue tous ensemble, en fait, sur ce jeu. Et il est plutôt sympa. Donc, je sais pas si Tico, il est encore là dans les parages. Je vais vous confirmer que le jeu est génial. Et surtout, gratuit. En fait, le truc, la base, à la blague, c'est que je suis censé être un partenaire...
partenaire Square Enix. Et du coup, je suis censé avoir un lien où vous pouvez télécharger le jeu et tout. Mais c'est jamais arrivé pour l'instant. C'est jamais arrivé pour l'instant. Donc du coup, moi, je dis, moi, je m'en fous. Je vais jouer au jeu parce que j'aime le jeu, de toute façon. Les nouveaux téléphones, c'est devenu des plaques à induction. Oui, totalement. Totalement. Puisqu'il y a énormément de technologies à l'intérieur. Tu veux des duos fandom pour rencontrer des fans? En live, tu veux dire? En jeu? Non. En jeu, j'ai jamais fait ça. Ouf, j'ai raté. En fait, ce que j'ai fait par contre une fois, c'est que j'ai fait un live abonné. Mais il n'y avait personne. Donc du coup, c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'on me demande de faire des lives abonnés, mais personne vient. Tiens, le petit coup de pied de merde, là. Ah, j'ai pris cher. J'ai pris cher. Tiens, tu pourrais faire du Lombre of Mordor. Oh, j'ai jamais fait en live. J'ai jamais fait en fait. J'ai jamais fait en vidéo ce jeu. Je l'ai fait tout seul dans mon coin. Alors, c'est pas un remake. Je sais même pas à quoi ça pourrait servir de le tuer, celui-là. Mais ça se tente, hein. Je reviens. Oh, il m'a tué. Ça se tente, hein. Ça se tente, hein. En vrai, ça se tente. Ah, il drop de la scène du démon, d'accord. Regarde par ta fenêtre, t'auras plus de yeux. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Coucou H. Salut à toi, H. J'ai du mal. Du coup, on peut seulement se rencontrer à des conventions. Bah, il n'y a plus de conventions, donc du coup, ouais, faudrait peut-être que je mette ça en place, en vrai. Parce que les conventions, c'est fini. Malheureusement, à cause du Covid, hein. On ne remerciera pas. En plus, c'était mes trucs préférés, et j'avais adoré ça. Du coup, en fait, si convention il y en a plus, je vous avouerai que le partenariat Twitch, peut-être que je vais le drop, hein. Parce que ça m'empêche de live sur YouTube. Et en fait, j'aimerais bien faire des lives horreur sur YouTube, tu vois, c'est... Comme c'est la chaîne... Putain, le coup de pied. Comme c'est la chaîne pour l'horreur, presque, pour moi, maintenant, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire sur cette chaîne, tu vois. Parce que j'ai pas le droit de live sur YouTube à cause de Twitch. Et s'il n'y a plus de convention, bah, j'ai l'intérêt du partenariat Twitch est assez limité. Je fais des lives avec une communauté réduite parce que les gens ne viennent pas sur les gens de YouTube ne viennent pas sur Twitch, etc. Bah, moi, alors, enfin, le grand intérêt en fait, c'était de pouvoir justement de pouvoir bénéficier des salons, vous savez. L'intérêt de Twitch, hein, de partenariat, c'est juste ça en fait, de pouvoir aller dans les salons de Twitch, avoir les lounges. C'était juste pour ça. Et bénéficier, on va dire, des comptes et tous les avantages liés à ça, tu vois. Mais bon, oui, te dire. Merde. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est injuste. Ça va revenir, j'espère, parce que vivre sans convention, c'est nope. Ouais, j'avoue, c'est tellement bien les conventions. Et je vous avouerai que, en plus, j'ai pu rencontrer énormément d'abonnés grâce à ça, derrière ces conventions, c'était génial, tu vois. À une prochaine Prime, merci d'être passé. C'est vraiment dommage.
C'est vraiment dommage qu'il n'y a plus de contrôle. Japan Expo est génial. J'ai adoré Japan Expo. PGW, ça va. C'était pas... Enfin, ça va. C'était... C'est pas ma préférée. J'ai fait Gamescom, moi, par contre. Gamescom, mais les gars, la Gamescom, c'est magnifique, quoi. C'est génialissime. Surtout si t'es fan de jeux vidéo, c'est vraiment excellent. Mais ouais, c'est vraiment dommage, en fait, s'il n'y a plus de convention, quoi. Ah, super, merci. Ah, merci, merci. Oh, merci, oh, merci, oh, merci, j'adore. Oh, 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 j'adore, j'adore, j'adore. Oh, j'adore, j'adore. Oh, bordel de fuck. Pardon. Après, on te suit, peu importe, mais c'est vrai que rigoler avec toi 5 minutes, ça donne du baume au cœur. Oh, c'est gentil, c'est joliment dit en plus. C'est toi qui me donne du baume au cœur, en venant sur mes lives, en me regardant mourir en boucle sur ce jeu. Ce jeu du démon, là. Je sais même pas pourquoi. Mais en tout cas, hé, jeu du démon, mais je pensais pas arriver aussi loin sur Dark Souls. Et j'en suis un peu content. Je veux dire, je suis quand même, on est quand même à un niveau... on n'est pas au début du jeu, quoi. On est un petit peu plus loin, quoi. Après, je sais pas combien de niveaux il me reste au total pour ce jeu, mais en soi, ça fait plaisir. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Ce jeu est détestable. Je connais... Je te connais pas de YouTube, mais je suis tombé sur ton Twitch par hasard. Oh, c'est vrai? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh. Genre, au final, ce serait une commu différente de celle que t'as sur YouTube. C'est pas si mal. Totalement. Alors oui, totalement, Asherato. Totalement. C'est au-delà des conventions. Effectivement, moi, j'avais un but. C'était un peu de me détacher de l'horreur, si tu veux, sur Twitch. J'aurais voulu, en fait, avoir plus... parce que je suis multigaming, moi, à la base. Tu vois, ma chaîne YouTube, c'était ça. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que mes vidéos qui ont plus cartonné, c'était les vidéos, on va dire, de jeux d'horreur et compagnie. Malheureusement, entre guillemets, bien évidemment. Et du coup, les gens m'ont connu principalement pour ces jeux-là, tu vois. Alors que moi, j'aurais bien aimé être connu pour du multigaming, pour tous les jeux, pas pour mes gameplays sur Assassin's Creed, pour... tu vois, parce que moi, j'adore changer de jeu et jouer à des jeux différents et tout. Mais ma chaîne YouTube est devenue la chaîne découverte des jeux indépendants. C'est pas si mal, hein. En soi, c'est pas si mal d'avoir cette étiquette. Parce que j'aime quand même beaucoup ce que je fais. Et j'ai pu découvrir des bons jeux grâce à ça. Mais avec Twitch, j'avais l'espoir un petit peu, si tu veux, de me détacher un petit peu de ça, tu vois. Donc effectivement... Fuck. Mais d'où? Mais bouge pas. Le personnage, il est en animation. Je me relève tout doucement. J'ai très mal. Je m'en fous. Relève-toi. Putain, j'appuie sur B depuis tout à l'heure. Hey, salut à toi, Lenny. Je me suis fait mal au bras. Faut que je m'énerve autant. Ma grande épée dragon plus 2 fait du 468 dégâts, mais j'ai toujours peur quand je la prends à deux mains car j'ai une attaque lourde, elle perd un cinquième sa résistance avant d'être endommagée. Sérieusement, elle est pas ouf en fait. Les attaques sont très lentes. En fait, elle fait beaucoup de dégâts, mais l'utilisation la rend très très compliquée. Heureux Hans. Je suis content que tu ne fasses pas que du jeu d'horreur. Comme ça, moi, oui, exactement, mais le but, de toute façon, c'est de vous faire découvrir des jeux que vous n'avez pas forcément vu, en fait, ou joué. Moi, c'est ça qui me fait vraiment... prendre mon pied, on va dire, dans mes vidéos. C'est justement de faire des jeux que... De vous faire découvrir des jeux que vous n'avez pas forcément l'idée de jouer. J'aime bien faire les AAA aussi, hein, les jeux super connus et tout, parce que j'adore le jeu vidéo de toute façon. Mais vous faire découvrir le nouveau petit jeu indépendant, genre Little Nightmares, reste un jeu d'horreur, mais les jeux comme Little Nightmares, Limbo et compagnie, c'est tellement jouissif en fait, tellement bien, on va dire. Quand tu ne fais la découverte de Gris, ah ben voilà, c'est ça. En fait, tu vois la découverte de Gris, la découverte de tous ces petits jeux-là. C'est littéralement les jeux que je vais vous faire découvrir, en fait. Et c'est ce que je fais, hein. Mais j'en fais pas beaucoup, parce qu'en fait, du coup... Bah, après, YouTube, ça reste une guerre de statistiques, hein, malheureusement. Et comme j'en vis maintenant, je suis obligé de regarder ça un peu et de pas simplement ignorer... J'ai pas le choix, je peux pas simplement ignorer mes stats et faire en mode... Ouais, bah vas-y, c'est bon, moi, je fais ça et je fais ça, c'est tout. Je peux pas, j'ai pas le droit.
Parce que... je vais mettre, on va dire... Ah ! Mon entreprise en... En faillite, si je fais ça. Du coup, c'est pour ça, en fait, que j'en fais, mais avec parcimonie, tu vois. C'est, en fait, c'est ça, quand tu deviens une entreprise, t'as pas le choix. T'es obligé de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, et compagnie, tu vois. Mais après, au-delà de ça, moi, je suis super content de ma chaîne, je suis super content de ce qui m'arrive et tout. Et du coup, même Twitch, en fait, c'est rigolo. Là, je dis ça, mais aujourd'hui, on est très nombreux, en fait, pour moi. On est très nombreux sur Twitch, aujourd'hui, pour me regarder perdre sur Dark Souls. C'est trop gentil. Trop gentil, Ron. Merci, petit Ron. Faut juste que j'arrive à faire mon... Il m'a tué direct, sérieusement? Mais pourquoi ça l'a pas tué? J'étais à une main. J'étais à une main, non? J'étais pas à deux mains, purée. T'as une chaîne secondaire? Ouais, j'ai une chaîne principale, une chaîne secondaire. Et une chaîne Twitch. J'ai même deux chaînes secondaires. Donc du coup, une chaîne tertiaire. Non, je suis à deux mains. Alors, je sais pas, ça a pas marché. J'ai la Seros VOD, Seros normal, j'ai la chaîne spéciale vlog, j'ai la chaîne spéciale shorts pour l'instant. Bon, je l'ai créé juste pour voir parce que les shorts, c'est nouveau. Voilà, donc du coup, j'ai tous ces petites chaînes, hein, plus la chaîne Twitch. J'ai mon TikTok, mon Instagram, mon Snapchat, j'ai arrêté. Mais voilà, ouais, j'ai pas mal de réseaux, tu vois. Ton générique du lundi Andy est vraiment excellent. Bah, je remercie Sweet Nelik, c'est lui qui a fait le générique et qui a eu l'idée. Et c'est vraiment génial, j'avais pas pensé de faire un générique pour ça, en fait. Moi, j'avais un générique fait à la va-vite, en mode je crie... C'est lundi Andy. C'est dur à gérer? Non, c'est pas très dur à gérer parce que je gère pas, en fait. Là, actuellement, il n'y a pas eu de pause depuis une semaine, voire plus d'une semaine sur la chaîne secondaire VOD parce que j'ai pas eu le temps de faire du montage. Et encore, c'est du montage gros doigt, tu vois, c'est juste couper le début, la fin et faire une heure ou deux heures de vidéo, c'est des VOD hein, en même temps. La chaîne principale, c'est celle qui prend plus de temps. Et bah Twitch c'est t'appuies sur record, et le problème c'est que si tu fais 6 heures de live, bah c'est les 6 heures que tu perds sur le montage. Du coup quand tu fais 6 heures de live, tu fais pas du montage, tu fais pas autre chose quoi. Tu fais que ça, tu fais du live. Ils sont déter. Hein. Ils sont déter à m'éliminer ceux-là. Hein. Je viens de tester 312 dura non réparé, elle passe à 322. Ah, tu perds des dégâts quand tu perds de durabilité, d'accord. Je le remercie, c'est bien dans son style ce générique. Ah bah oui, totalement. Totalement. On a toujours pas d'infos pour le prochain Outlast. Non, malheureusement non. Et pourtant j'avais été contacté pour une sponsor. Sur Outlast, ils allaient me filer en fait l'accès bêta avec 4 clés en fait pour pouvoir jouer avec Tib, etc. Et malheureusement ça s'est arrêté à là. Genre pas eu de détails de plus. Par contre Dying Light 2 qui m'ont contacté pour la sponso, ben au début ils m'ont contacté en décembre. La sponso je l'ai faite en juin, je viens juste de la faire la sponso. Ouais je viens juste de la faire. Donc du coup vous imaginez en fait le nombre de temps qu'il y a eu entre décembre et juin. Et donc du coup, je perds pas espoir pour Outlast, ça pourrait revenir. Il y a moyen de trouver le premier Dark Souls en non-remaster sur PC? Oui, il est sur Steam. Il est sur Steam, il est en non-remaster. Et enfin, tu as les deux versions. Moi, j'ai les deux versions, en fait. Pourquoi tu veux pas la version remaster? C'est le même jeu en plus joli. Je le tue en premier parce qu'il est relou. Mais c'est le même jeu en plus joli. Donc je vois pas pourquoi tu ne veux pas le jeu en remaster. Ils font très très mal ceux-là. Est-ce que je peux les éviter et aller directement au... Parce que je pense que c'est le bus, c'est le boss. Hein. Voilà, c'était con ça. C'était très con. Je suis tombé, j'ai pas fait l'attaque. Oh. Oh. Il se soigne.
bam bam balé. Ah oui, Mboé. Oh, j'ai eu. Regardez, il marche dans le vide. Il va venir, vous pensez? Il va tomber? Allez, viens. Tombe. Tombe. Allez, tombe. Allez, tombe. Allez. Il fait quoi? Je crois qu'il est bloqué. Oh non. Ça marche pas. Il s'est arrêté net. En mode, bro, j'ai un souci. T'as un souci, bro? T'as un souci, bro? Ouais, moi aussi, j'ai un souci. Du coup, si je reviens, c'est bon. Tu montes pas, tu me tues pas, hein, on est d'accord. Hein. Il essaye, le pauvre. When you try so hard, but you don't succeed. Ah, il a été débloqué. C'est bon, t'es débloqué, t'es content? Tu peux revenir? Allez, viens. Oh non, il regarde, il est rebloqué, non! Il a des problèmes pour descendre, le pauvre! Oh, ça fait mal! Ouais, t'as essayé de m'écraser, je suis pas là, hein. Allez, viens. Allez, viens, viens. Vas-y, continue de faire tes attaques. Continue de... Oh, il va se soigner. Bah voilà! Est-ce que je peux ouvrir la grande porte là-bas, maintenant? Il avait l'inverse du vertige. C'est quoi? C'est quoi le jeu le plus rageant? Tu sais, c'est quoi le jeu plus rageant pour moi? C'est le jeu où tu es un bonhomme chauve tout nu dans un chaudron avec un marteau. Ah, je peux pas ouvrir cette porte. Ce jeu pour moi est le plus rageant. Meilleur souvenir quand tu as coupé tes cheveux longs. Tu parles de la vidéo? Getting over it, c'est ça. Ah oui, le jeu, mais ce jeu il est horrible. Ce jeu il est juste horrible. Genre, je comprends même pas. Je peux pas comprendre. Misérable requis. Attention, abdomen droit devant. Bonne chance. Est-ce que j'enlève mon bouclier? Pour être genre plus rapide. On y croit? Allez, on y croit. Cinématique! Eh, j'ai pris du temps, hein. Oh putain, qu'est-ce qu'il est gros. Oh, bon purée. Il a une boobs armor. Ah, ils sont deux? Je fais comment avec deux, moi? Ah, tueur de dragon et l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Non, laissez-moi tranquille! Oh! Oh! Ok. Je focus un. Je suis mort. C'est pas grave. Vous avez vu les dégâts que je lui fais? C'est très bien. Je pense que je peux l'avoir. Je pense que je peux l'avoir. Bon, c'est dommage, mais en même temps, j'esquivais pas le gros. Hein. Je veux dire, j'étais focus sur le petit. J'étais en mode, je regardais les dommages que je pouvais faire. Y a pas un moyen d'y arriver plus vite? Parce que ce feu de camp, il est bien, mais je trouve que c'est vachement loin, non? De la salle principale. Ok, il y a la grande pièce en bas, parce que si je prends le feu de camp de l'autre côté et que je remonte par le raccourci du forgeron, c'est pas plus rapide? Non? Enfin, je sais pas. T'as ouvert la grande porte? Non, comment on fait pour ouvrir? J'ai essayé! Il fallait déverrouiller la grande porte, mais t'es marrant toi. J'ai littéralement, je suis littéralement allé devant et il n'y avait pas de bouton pour la déverrouiller en fait. Il y a un levier? Oh... Tout le monde qui dit à droite, il y a un mec qui dit à gauche. J'adore.
Oui, demande lui de te TP. Oui, bref, c'est... Ah, peut-être ici, je suis jamais allé là-dedans. Lol. Le coup de pied, putain! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi ils ont mis ce coup de pied là-dessus, sérieusement? Mais qui fait des coups de pied contre... Le coup de pied ne marche même pas contre les ennemis, en plus. Il me reste 20 minutes, en fait, avant de partir. Il faut que j'y arrive avant... avant 30. Ça va être un peu short, je pense. Le coup de pied sert au PVP. Je m'en fous du PVP, je suis pas en PVP, là! Enlevez-moi ce coup de pied sur ce bouton, quoi. C'est même pas un bouton. Si je voulais un bouton coup de pied, ça aurait été pas mal. C'est même pas un bouton coup de pied, c'est une combinaison de touches que tu peux faire par accident. C'est pas possible. Oui, c'est très utile contre les ennemis qui ont des boucliers. Bah oui, mais ça marche pas très bien contre ceux-là. Hein. Ils ont des boucliers, pourtant. Purée... Oh bah super. Il prend même pas ses dégâts, super. Heureux, bonjour Teyola. Coupe-toi le pied. PVP, ça veut dire joueur contre joueur. En anglais, c'est player versus player. Tout simplement. Donc en gros, quand t'as des joueurs qui t'attaquent, des vrais joueurs qui t'attaquent, ce qui arrive dans ce jeu. D'ailleurs, je me suis fait bolos par un joueur tout à l'heure, alors que j'étais tranquillement en train de me reposer sur le feu de camp. Il m'a tué littéralement dans la salle de feu de camp, ça devrait être interdit, ça. Genre, la salle feu de camp, ça devrait être un endroit safe, tu sais, genre... comme la safe zone dans Resident Evil, tu vois. C'est pas... Versus environnement, le E dans PvE. Il me semble que c'est environnement et pas entity, tu vois. Il me semble, hein. Après je peux me tromper. Tu ne t'arrêtes jamais tout seul que je suis finalement depuis 9 ans, en tout cas, avec Days. Avec Days? Putain, il attaque de loin! Il a un reach de ouf, en fait. Mais calme-toi. Putain. Le pire, c'est qu'il arrive à m'enchaîner. Mais je comprends pas. Depuis tout à l'heure, j'arrive à les tuer facilement et j'arrive pas, là. Ah, DZ! Daisy, ok. Je comprenais pas, merci. Oh, ça fait plaisir, ça fait longtemps ça. Ouais, je crois que ça fait 9 ans cette année. Tu meurs trop, repose-toi avec un joli câlin. J'en donne gratuitement. Ouais, ben, en ces temps de Covid, je sais pas si je prends des câlins de n'importe qui, moi. En plus, je vais dans cette salle, je sais même pas s'il y a effectivement ce que je cherche là-bas, tu vois. Je crois que j'ai attiré un autre soldat. Parce que j'en avais pas suffisamment. Derrière moi, tu vois. C'est pour ça. Oui, bah oui, il a une lance. Mais moi aussi, j'ai une lance. Oh, c'était salaud, ça. Bon, du coup, je vais dans cette salle. Je sais pas si c'est s'il y a le truc que je cherche là-bas, tu vois. S'il y a le levier pour la grande porte ou quoi que ce soit. Mais j'y vais quand même. En plus, les deux ont des lances, hein. J'aurais pas dû déséquiper mon bouclier, hein. On va rejouer à l'ancienne. Comme avant. Voilà. Ouf. Putain, le reach qu'il a, s'il te plaît. Il m'a fatigué.
Oh mon dieu! Je galère, hein. Ok. Voilà. On n'en parle plus. Ah, il protège deux coffres, en fait. D'accord. Ok, ils servent qu'à ça. Ah, il m'attaque pas? Bon, si tu m'attaques pas, tu sais. Non, s'il te plaît. Putain, mais il peut... Mais comment il peut m'enchaîner? C'est pas possible! Mais c'est pas possible! C'est pas possible, les gars, sérieusement! Ah, ça devrait pas être... C'est pas légal, en fait, comme mouvement. Ah, y a un raccourci? Ok, alors raccourci super avec les deux soldats, là. Je passe pas par là, les gars. S'ils respawn, je passe pas par là, hein. Ça sert à rien. Un raccourci où t'as des ennemis qui te tuent en boucle, c'est pas un raccourci, hein. Avec la carte kiwi. J'ai pas la carte kiwi. C'était gratuit, j'en avais besoin pour me sentir bien. Alors, les lancers sont énervants, mais il y en a qu'un à battre. Ben, ils sont deux là pourtant. Putain, il me touche à travers le mur, s'il te plaît! Fais chier. Putain! C'est mort, hein? C'est mort. Hein. J'ai tellement du mal avec ce pari système de merde. Là. Ça marche pas dans Demon's Souls. C'est dingue. À ce qui paraît, en plus, c'est dans Demon's Souls, c'est le pire. Et pourtant, j'y arrive dans Demon's Souls. Et dans celui-là, j'y arrive pas. Le timing est différent, quoi. C'est le même jeu, pourtant. Hein. Enfin, c'est le même jeu. Même développeur. T'as pas le temps d'attaquer. Ouais, c'est ça. Mais lui, il t'enchaîne, en fait. Il est en mode, je vais te piquer, je vais te piquer, je vais te piquer. Ouais, c'est chiant. Il y a My Little Pony. Alors, j'ai joué à un jeu My Little Pony, et je peux t'avouer qu'il est pas... Il est pas très simple, hein. Aussi énervant que celui-là. Ouais, j'ai déconné. Ouais, j'aime bien votre double attaque exactement le même timing, les gars. Marche le coup de pied contre toi? Non, essaye même pas, Cyrus. Je te jure. Tu peux pas juste esquiver tout le monde. Je veux prendre les deux coffres. On peut pas esquiver quelqu'un si tu prends son coffre, en fait. T'es obligé de le tuer. Je devais juste en fait aller voir le boss en soi, mais on m'a dit qu'il y a un raccourci, j'aurais préféré prendre le raccourci, tu vois. C'est pour ça que je viens par ici. Pour voir s'il y a pas le raccourci par là, tu vois. Ça permettrait d'avoir un truc plus proche. Oh, pas ça qu'il fallait faire. Ouais, bien, bien, bien. Observe bien son coup. Oh, bah c'est pas observé ça, Cyrus.
Alors, j'ai... Si vous vous rendez toujours pas compte, c'est que j'évite les messages qui me spoilent trop le jeu, en fait. Hein. Je vois des gens qui s'énervent, ça fait 10 minutes qu'on te dit, j'ai pas lu la suite. Genre, le but, quand même, que je joue et je découvre un petit peu, tu vois. Un minimum quand même. Parce que bon, tu sais... Si je me base trop sur vous, après, je serai jamais joué. Hein. Oh ! Oh, je vois c'est où. Je vois où ce que c'est. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, les amis, c'est parfait. J'ai raté quoi? Des morts en boucle. Beaucoup de morts en boucle. Énormément de morts en boucle. Mais là, tout va bien. Salut, Kirox. Ouh, je peux m'habiller comme un chevalier d'argent, maintenant. Mais, ouais, je peux être habillé comme eux, mais... Être habillé comme eux, c'est pas être comme eux, tu vois. Diverses versions de mourir, c'est ça, exactement. Il me reste 8 minutes pour jouer. Est-ce que j'ai... Est-ce qu'en 8 minutes, je peux tuer le boss, les amis? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je pense pas, non. Ce qui est arrivé, c'est surtout que... En fait, ils reviennent quoi qu'il arrive. Ah! D'accord, c'est là-bas le levier. Ok, je viens de voir. Ok, ok, ok. Ok, nice. Nice, nice. Alors, je sais pas... Je sais pas... Parce que là, le truc, c'est que mon feu de camp est à l'intérieur. Donc, du coup, c'est pas forcément the best feu de camp ever. Mais en vrai, vu qu'ils sont assez gros et très lents, je peux les esquiver facilement. Allez, c'est parti. On y croit. Oui, je liverai ce soir, mais sur FF, du coup. Pas sur Dark Souls, j'ai trop de... Shit! Shit! Shit the fuck! Tout va bien, les amis, tout va bien. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, vraiment. Est-ce que si je me mets en armure de ce truc-là, en fait, il m'attaque pas? On sait jamais, hein, avec un peu de chance. Beaucoup plus rapide par là. Beaucoup plus rapide, rien à voir. Ah, bonne soirée à toi. Bon après-midi plutôt à toi, Lenny. Merci d'être passé. Agression directe, à peine le bruit à traverser. Ouais, j'avoue que pour le coup, ils m'ont pas beaucoup aimé, là. C'est bien là. Hein. Languette au moment. C'est quoi cette flèche là, putain? Sérieux?
Par contre, je comprends pas pourquoi des fois j'arrive à faire la riposte et pas tout le temps. Genre, quand tu fais le contre, il y a le timing, j'appuie tout de suite sur R1, mais ça marche pas, quoi. C'est pas bien de dire gros mots. Y a pas de gros mots, là. Ah ouais, j'ai illuminé ta journée. Genre, au calme. Allez, j'y crois. Est-ce que je peux avoir une chance de me lever, en fait? Vous savez? Genre se mettre sur ses deux pieds lorsque tu tombes au sol. Des flèches anti-dragons? Mais ils me servent à quoi, les flèches anti-dragons? Tu vois bien que j'ai même pas le temps de me... Seb, tu vois la même gameplay que moi. Tu vois bien que quand, dès que je traverse le brouillard, je me fais agresser. Je me fais agresser direct. C'est pas comme si je pouvais sortir mon arc, commencer à bander l'arc et tirer sur les gars, tu vois. A plus, Creepy Lily, merci d'être passé. Salut, Skizis. Amateur de patinage artistique, bonjour. Mon pire ennemi, ouais. Ouais, je me suis fait bloquer, Twist, exactement. C'est genre, c'est littéralement dans un coin, et on te soulève les jambes et on te fait « Bonjour, est-ce que tu aimes ?» Voilà. En plus, le brouillard, je vois rien en plus. Oh, c'est la tête chercheuse, hein? Je suis pas d'accord, hein? Ok. J'aimerais bien pouvoir me relever. C'est pas fini, les gars. Il a l'air pas content, le mec. Ok. Je sais pas où il est. Cible! Il veut pas le cibler! Il veut pas le cibler! OMG. Ok, pète tes piliers. Ah! Oh non, non! Non! Je dois partir. J'esquive trop, en fait. Il faudrait que j'aille plus au corps à corps. Juste attends, en plus, je dois partir. C'est parfait, ça. Goûte à nous! Goûte ça! Ah. Ouh. Ah, purée, je peux vous dire que là, ça fait du bien. J'ai fait double dab, j'aurais pas dû. J'ai très mal au bras maintenant. J'ai super mal au bras. J'aurais pas dû faire ça, mais...
Là. Alors, si je ne suis pas soigné, Miss Blodine, c'est parce que j'ai un anneau qui me permet de tuer mes ennemis plus rapidement dès que j'ai pas de vie, en fait. Quand j'ai pas de vie, je suis plus puissant. Donc c'est pour ça que je suis resté le plus bas PV possible pour pouvoir le tuer plus rapidement possible. C'était ma seule solution pour pouvoir le vaincre. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez adoré suivre cette aventure avec moi et que vous avez adoré souffrir en ma compagnie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, partager avec vos amis et bien entendu me rejoindre sur Twitch pour voir tout ceci en live sur twitch.tv/Seros. Je vous fais de gros bisous. Seros, out.